Première défaite du HRLA au Forum, ça a été très serré. Il y a de la frustration, de la déception chez vous? Oui, bien sûr. À chaque fois, quand une série s'arrête, c'est un peu une déception, mais on savait qu'eux, ils vont venir à fond parce que les deux derniers matchs, ils ont perdu. Et c'est une bonne équipe, ils ont beaucoup d'expérience dans les jeux comme ça. Et je pense qu'on s'est battu jusqu'à la 60e minute, c'était serré jusqu'au bout, mais malheureusement, ouais, on a perdu. Mais c'était un match très tendu, des pénalités qui font la différence, on prend les buts en infériorité numérique, c'est peut-être ça qui fait la différence ce soir. Oui, je pense que c'était la clé pour eux de marquer dans les power play. Et oui, ça a coûté beaucoup de force de jouer 4 contre 5 contre eux, et je pense au final, c'était peut-être la force qui a manqué à la fin. Alors Langnau, c'était la dernière équipe à venir au Forum. Toutes les autres ont perdu à Martigny, c'est la seule équipe qui gagne. C'est un peu dommage de ne pas en faire que tout le monde perde un match ici. Oui, c'est ça, mais oui, on ne peut pas toujours gagner à la maison. Oui, comme je dis, c'est une déception de si une série s'arrête. Et puis, mais on a tout donné. Je pense qu'on n'a pas de regrets après le match. Oui, c'est ça, il faut continuer pour jeudi qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est dit maintenant dans le vestiaire entre vous, les joueurs, après cette défaite? Oui, on s'est dit, on s'est bien battu. On a pas mal joué, plutôt bonne première et troisième tiers. Mais oui, c'était deuxième tiers qui a coûté peut-être le match, c'est ça.